Moi, c'est Jean Salès. Donc, j'ai 30 ans aujourd'hui. Donc, bienvenue à l'auto-école Salès Formation Guéret, aussi appelée Salès Driving School. Donc, moi, mon parcours, il est assez différent des autres, on va dire. Donc, j'ai été en équipe de France Espoir d'enduro. Je suis par la suite monté en élite, en catégorie élite. Donc, je faisais les championnats de France, les championnats d'Europe d'enduro. J'ai participé à quelques grands prix. À la suite de quoi, j'ai passé à l'âge de 18 ans un diplôme pour être entraîneur, un brevet d'État, entraîneur moto. Donc j'ai entraîné une équipe régionale pour l'équipe du centre d'enduristes, des enduristes ESCO. Vers l'âge de 24 ans, donc, je suis devenu moniteur auto et moto-école. Et donc l'an dernier, on a racheté cette auto-école qui était anciennement appelée Oldez, gérée par Gilbert Chassin. Et donc on est aujourd'hui implanté sur Guéret. Donc on gère l'auto-école comme moi j'ai géré ma carrière sportive. On s'est entouré de partenaires, Allianz, Peugeot, Atomic Moto et le motoclub Boussacain, qui nous fournissent une aide assez conséquente, nous aident vraiment à nous dynamiser. Alors pourquoi Salès Driving School? En fait, c'est un concept assez américain. Mon entreprise de stage de pilotage en motocross et enduro s'appelle Salès Driving School. En fait, aux États-Unis, généralement, ils mettent le nom d'un entraîneur et rajouter la notion Driving School derrière. Et d'ailleurs, les auto-écoles américaines, c'est la notion aussi Driving School qui sort assez souvent. Donc, je trouvais ça marrant de garder un petit peu ces deux noms-là, entre guillemets, Salès Driving School et Salès Driving School, parce que c'est peu commun, il n'y en a pas beaucoup en France. Puis, on restait un petit peu. En termes d'image et d'identité, on restait un petit peu sur la même chose. L'idée que je me fais des cours, j'invente rien. On est soumis de toute façon au REMC, donc en fait c'est le recueil de données pédagogiques. On a des objectifs très clairs, des compétences à atteindre. En revanche, libre à nous un petit peu d'innover, de chercher des exercices un petit peu propres à chaque auto-école. Ça c'est très intéressant. Pour ma part, en fait la première compétence, tout ce qui est gestion de véhicule, surtout sur le permis voiture. On commence à le faire maintenant sur un plateau avec des cônes, tout ça, donc c'est assez ludique. Et les élèves cherchent un petit peu les limites, on amène des choses intéressantes parce que je pense au contrôle, le fait de regarder dans les rétros les angles morts. Les élèves ont toujours du mal en circuit et quand on amène des freinages vraiment d'urgence sur le plateau, là généralement ils le font par instinct. Le sport moto évolue parce que les motos évoluent. Et les motos de route évoluent aussi, donc je pense que la conduite doit évoluer. Donc c'est très intéressant. Comme je le disais, je cherche toujours à mettre de l'intensité sur mes séances moto et séances voiture aussi. Le sport moto m'a, à haut niveau, m'a apporté une grosse notion, une rigueur. Il faut toujours se remettre en question, réfléchir, se faire filmer. Moi je filme beaucoup mes élèves, on fait le point après avec eux. Sur les vidéos, on essaie de répéter, jamais s'endormir, jamais se surestimer, jamais sous-estimer les tâches à effectuer. Un bon avenir pour moi, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter comme avenir? Déjà être en pleine forme, de continuer à développer l'auto-école, que les élèves soient super heureux du job qu'on met en place pour eux, parce que c'est pas toujours tout repos. Que l'école de pilotage se développe. Donc là, on a un projet qu'on va dévoiler incessamment sous peu d'une équipe sur la Brionne, les stages réguliers à la Brionne. Plein de formations, je continue à développer ma vie de famille en toute sérénité et surtout de rester dans cette creuse qui m'est très chère.